Kumi sama na yobi keke na biki keke nkolo. Batango kumi sali susu nkolo. Nkolo zara kina bisa utai bandele. Atondo pona moto oyo yawe. Atondo pona moto oyo. Ezali pambo li pesa pso tonzi mango. Na kumbo kembo na yobi kumbo na isu. Amen. Je te laisse ma boko. Colonel Tozo Bete à Boko, Salah Romalamo. Gloire à Dieu, bienvenue en ce soir. Kembo Madame Lapo Kualelo. Nous allons continuer avec notre sujet qu'on a commencé il y a peu de temps. Toujours dans la porte sur la foi. Nawetali Konzima. Tu es à côté de la bonne et que ça la prend à côté de la bonne et que ça la prend à côté de la bonne et que ça la prend à côté de la bonne et que ça la prend à côté de la bonne. Nous allions proposer un deuxième texte dans Hébreux 10, 35 à 36. Hébreux 10, 35 à 36, 39. 10, 35 à 36, 39. 10, 35 à 39, carrément. 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour assurer, pour sauver, pardon, leur âme. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Le verset 10. L'apôtre Paul dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. En Timothée chapitre 1. Verset 18 à 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions pris ce texte depuis l'autre mercredi. Le service de guidance, de soubassement. Pour couler la pensée du Seigneur concernant ce thème. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment entretenir notre foi? Nous avions déjà commencé à répondre à cette question. Mais avant cela, nous avions dit que la foi est la chose la plus importante que nous ayons en tant qu'enfants de Dieu. C'est par elle que nous accédons à tout ce que Dieu dispose pour nous. Dieu a disposé des choses pour nous. Et c'est par la foi
que nous entrons en connaissance, en contact avec ces choses. C'est aussi par la foi que nous maintenons en nous ces choses. C'est par la foi qu'un jour nous allons accéder à la présence de Dieu et cela pour l'éternité. Comme le dimanche nous l'avions lu, encore l'apôtre Paul, il nous dit que nous devons être capables de voir les choses invisibles. Parce que les choses visibles à l'œil nu sont toutes passagère. Mais les invisibles durent éternellement. Et nous entrons en connaissance de ces choses par la foi. Il est donc important, en tant qu'enfant de Dieu, nous sachions, nous connaissions les sources de la foi. Mais aussi les moyens de l'entretenir. Parce que comme nous l'avions dit, la foi peut grandir. La foi peut s'affaiblir. La foi peut grandir. La foi peut s'affaiblir. La foi peut être attaquée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, il parle de bon combat de la foi. J'étais en train de préparer, arrangez-moi le son s'il vous plaît. J'étais en train de préparer la prédication que je vais livrer samedi soir quelque part. Parlant de Anne qui pria l'Éternel. Et pendant que j'étais en train de lire le texte des Écritures, le Saint-Esprit m'a aidé à voir quelque chose que je n'ai jamais vu toute la fois que j'ai eu à prêcher sur ce texte-là de 1 Samuel. Pénina, la rivale de Anne, la Bible dit chaque fois, déjà de tous les jours, elle vexait Anne, elle mortifiait Anne. Mais la Bible dit une chose que j'ai aimée, qui m'a fait peur. Au verset 7 de 1 Samuel 1, à chaque fois que Anne voulait aller à l'église, Pénina profitait pour lui larguer des missiles. Écoutez l'objectif, c'est écrit dans la parole. Pour la porter à s'irriter contre l'Éternel. J'ai lu ça dans la version d'Arbi, la Bible dit, parce que selon eux, ils pensaient que c'est l'Éternel qui avait fermé la matrice. C'est écrit comme ça, fermé la matrice d'Anne. Mais écoutez la chose importante que j'évoque dans ce texte. C'est que Pénina attaquait Anne avec un objectif. Que Anne s'irrite contre Dieu. La plupart de nos combats ont pour point culminant nous amener à nous irriter contre Dieu, à douter de sa fidélité, à douter de son amour, à douter de son amour. Et nous devons lutter et garder une bonne conscience. Paul dit qu'on peut perdre même cette bonne conscience. Il dit que quelques-uns l'ont déjà perdue. Et ils citent même leur nom. Ce soir, nous allons continuer avec ce qu'on a commencé. Nous avions vu que selon la Bible, entretenir la foi, c'est une recommandation. C'est un appel au combat. Paul dit,
combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Lorsqu'on parle d'entretenir la foi, tu dois réaliser qu'il y a des entités adverses malveillantes qui font tout pour que tu perdes ta foi. Tu dois en être conscient. Deuxième chose, c'est un devoir pour chaque leader. Un devoir pour chaque leader. Pour ses disciples ou en faveur de ses disciples. Paul dit, nuit et jour, je prie afin d'avoir la possibilité d'aller vers vous et de compléter ce qui manque à votre foi. Et compléter ce qui manque. Donc tout ce que nous faisons à l'église, que ce soit vendredi, que ce soit mercredi, que ce soit dimanche, même mardi et samedi, toutes nos réunions ont pour but de compléter ce qui manque dans notre foi. Maso ya masanga na biso na kati na etonga eza na tina ya mboko bakisaka na oyo kozanga kana kondima na biso. Donc tu dois être conséquent. Esengeli oyeba. Quand tu fouilles un culte. Tango kimi mayangani. Alors que tu peux être là. Njoka yo kokaki kozala wana. Pose-toi la question. Mituna. Qu'est-ce que je viens de manquer? Nini nga na zangi? Qui aurait pu compléter quelque chose dans ma foi? O ekokaki kobakisa eloko songolo na kondima na ngai. Troisième chose. Yamisato. Et ce sont des versets bibliques que nous voyons le Seigneur donner par rapport d'abord au deuxième point, le texte de Jude 1:3, le texte de Luc 22:32, où Jésus dit clairement à Pierre, je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et ça, c'est la deuxième chose, le deuxième point. Troisième chose, entretenir notre foi est une responsabilité pour chaque croyant lui-même. Kobate le konzima na biso ça mokumba pona mundiminyoso yemoko. Aujourd'hui sur le marché, il y a ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Na wenze exemple ko babenga ka oya ko bakisaka na bilei. Je suis obligé de citer quelques noms que vous connaissez. Na tanga mingi mingi ya mike boyebi. Par exemple, les produits aloe vera. Le quoi là-bas produit aloe vera. Ça dit tu as mangé. Olie. On a préparé, tu as mangé. Balami Olie. Mais ce que tu as mangé ne t'a pas forcément apporté ce dont ton corps a besoin. Surtout en termes de protéines. Et les compléments alimentaires viennent justement pour, comme le mot le dit, compléter les apports ou l'apport nutritif que la nourriture ou le repas que tu avais pris n'a pas pu te donner. Bien-aimé, les chrétiens de Béré, quand ils rentraient à la maison, c'était pour vérifier les Écritures. Pour voir si ce que le pasteur Paul leur avait dit était conforme à ce qui est écrit. Est-ce que nous le faisons? Je crois que ça fait 2, 3, maximum 4 fois. Où de bien-aimés m'ont aidé ici à l'église. Soit un par rapport à un verset que j'ai donné qui n'était pas correct. Soit dans le verset n'a pas qui est qui était bon ou est qui. Soit carrément, j'ai dit quelque chose qui semblait une contradiction à ce à quoi nous croyons d'habitude. Et il fallait une réflexion, il fallait une discussion, un échange autour de ça. Voilà des gens qui cherchent d'eux-mêmes à compléter ce qui manque à leur foi. La vie sur terre est tellement courte. Je suis responsable de ce que je vais dire maintenant. La vie sur terre est tellement courte.
Le nombre de réunions que nous avons sont tellement peu nombreux. Et surtout en termes d'heures que nous prenons. Pour prétendre que les cultes à eux seuls suffiraient pour nous donner tout ce dont nous avons besoin pour notre foi. C'est faux. Voilà pourquoi lorsque tu rentres à la maison, alors que tu as un peu plus de temps personnellement, tu dois aller continuer tes propres cultes sur base du culte que tu as commencé à l'église. Entretenir notre foi, quatrième chose, c'est une passion qui devait animer chaque frère. Là, je ne parle plus que de leader, mais chaque frère devait être passionné pour aider les autres aussi à compléter leur foi. Dans toutes les églises, il y a des affinités, il y a des relations, il y a des amitiés. Il y a des gens qui passent ensemble plus de temps que le temps que nous passons tous ensemble en tant qu'église dans un culte. Et pour ça, nous devons profiter de ce temps de communion fraternelle pour en faire aussi des moments de perfectionnement. Où nous sommes en train de nous challenger, de nous défier par rapport aux choses des yeux. J'apprends par-ci, par-là, en particulier les bien-aimés frères qui se réunissent devant la boutique de l'homme de Dieu. Généralement, j'entends des échos, des belles discussions. Mais parfois, si ça doit barder, il faut toucher l'aspect mariage. Là, ça va barder. Mais il y a des choses qui se disent, il y a des questions qui se posent. Il y a de richesses qui se communiquent. C'est important que dans la foi chrétienne, tu puisses avoir au moins une personne comme ça. Quelqu'un qui serait pour toi un compagnon ou une compagne de prière et avec lequel ou laquelle vous avez le temps de partager les Écritures. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avions commencé à répondre à la question: comment entretenir notre foi? Il y a trois grandes réponses. La première réponse: comment entretenir notre foi? C'est en augmentant ou en exerçant notre foi. Le deux verbes sont importants et nous l'avions expressément mis ensemble. En réalité, la foi ne s'augmente que là où elle est exercée. La foi, c'est comme un muscle qui prend du tonique, qui prend de vigueur, qui prend du volume à force de l'exercer. Dimanche, on a dit ceci. Sur base du texte de Luc 17, 5 à 6. Les disciples demandent à Jésus de leur augmenter la foi. Jésus leur répond: si vous aviez
Soki bozalaki une fois qui a la taille d'un grain de moutarde ou de sénévé. Na konzima o ezalaki penza moke lokola grain ya sénévé. Un tout petit grain comme ça. Ezali kona moko ya moke. Si votre foi avait cette taille là. Soki konzima soki na monene wana moke wana. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Boko kai koloba na ebaka ta ya nzete ya sycomore longwa wana pemi bwaka na mai. Et il vous obéirait. Nzete wana ekokaki koto sabino. Ça veut dire Elingoloba que le problème n'est pas d'abord au niveau de la taille de la foi. Koko so ezate na maitali monene ya konzima. Le problème se situe au niveau de l'exercice de la foi. Koko so ezayi na maitali kotia na ngalasisi konzima. Parce que Romains 12 Pambate mokande Romains 12 3 4 5 6 je crois, il y a un verset là-bas qui dit que Dieu a donné à tout le monde une mesure de foi. Nzambe apesa na bato nyonso lolenge to motango ya konzima. Qu'est-ce qui fait que X personne a une grande foi? Ce n'est pas Dieu qui lui a donné une grande foi. Il avait reçu la même mesure de foi que toi, mais lui ou elle a eu l'habitude d'exercer sa foi. Nini o esaliete moto kingandi asana konzima monene ye nzambe pesa ke ya monene te asaleli angonde ko kisana nayo. En face de prouesses et des exploits, les chrétiens ont la tendance de fuir dans des concepts comme si c'est sa grâce, c'est un don que Dieu lui a donné. Bien-aimé, qui t'a dit que c'est sa grâce? Liboso na makambo mikamu si bakliso babata makalikolo na gogo koloba yende nzambe pesa ye wana ngai te. J'ai oublié l'année exacte, mais c'est entre 2005 et 2010. Na bosani mbula kasezali kotala entre 2005 et 2010. Je terminais, je ne sais pas, ma 15e lecture de la Bible ou quoi, où carrément j'étais en train d'interpréter et le prédicateur m'a vanté par rapport au fait que je maîtrise beaucoup de versets de la Bible. Mosala nzambe ona banayi ko interpréter ye akumi singa liboso na bato na kotala ndenge na ye baki ba verset ya Biblie. Et à la fin du culte, un frère qui est aussi responsable de l'église, il m'a dit ah ça on sait c'est ta grâce. Na suka mangani mokambi moko na eklesa alobite wana za ngolu na ye. Mais depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà lu la Bible plus de 10 fois encore. Bandambula wana tilelo na bakisi bambala 10 lisusu. La grâce Ngolu, je ne peux pas la refuser. Exact, na koko boya ngote. Mais au-delà de la grâce, il y a toujours la dimension de la responsabilité humaine, toujours. Likolo na ngolu ezalaka tango nyonso na epimelo ya mokumba ya bomoto. Elle peut être infime cette responsabilité, mais elle existe. Ikoko sala mokele kete penza kasi yango ezali. L'enfant de Dieu doit toujours se poser la question: qu'attends-tu de moi, Seigneur? Quelle est ma part dans cette histoire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que tu attends que j'apporte, moi, l'homme? Mwana na nzambe sengela zanga te komitu na motuna nini ozozela ngai na sala penza ngai lokola moto. Dites-moi, Église. Lobana ngai tonga. Entre l'onction, la puissance de Dieu qui délivra Israël de l'Égypte. Na kotala kanguya na nzambe kangola esena kati Égypte. Et le bâton de Moïse. Pe lingenda ya Mose. Est-ce qu'il y a commune mesure? Est-ce qu'on peut même se permettre de comparer que un Dieu si puissant aurait eu besoin d'un bâton sec qui du reste lui-même a créé? Tomi tuna soki nzambe ya nguya penza ya sengela ki kaka kosala tout monde eta muke oyo kutu akela. Est-ce que Dieu était incapable d'accomplir le miracle dans la vie de cette veuve dont le mari a servi Dieu avec crainte et tremblement? Au lieu d'exiger à cette femme d'avoir quelque chose, comme le prophète lui demanda, qu'as-tu à la maison? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Nous sommes pendant 5 mois courir quand on l'a moins la moins sur bas tika qui n'a pas nué belé n'est-ce qu'il y a les canadiens là il y a William Mukier le col à Mosakola 5 qui est. Dieu a opté pour méthode. Nous sommes en 10 mois qu'on s'allait là de travailler avec l'homme. Et pour ça, il attend de l'homme quelque chose. Ponengo azo zele la moto eloko moko. Tout ce que Dieu te demande. Nous sommes basés sur Dieu. C'est d'exercer la foi. Et cela conseille la conduite. C'est d'exercer la foi. Si la conduite n'a pas été. Prier pour un cadavre qui n'est pas ressuscité. Na bonde moko na vumbi ase kwate. Le pasteur Roger a déjà prié pour un cadavre qui n'est pas ressuscité. Pasteur Roger pas bonde pour un vumbi ase kwite. Est-ce qu'on va laisser? T. Ah,
amener un autre, on va prier pour lui. Yakana musus lobina tongo, to ressemble pour lui. Suka suka akose kwa. Alléluia. Amen. Et en attendant pour fortifier notre foi. En attendant pour toyer sa makas konsimba na biso. On attaque les rhumes. Tozobi kisa kuna ba miyoyo. On attaque les fièvres. Tozobi kisa ba fièvre. On attaque les malaria. Tozobi kisa malaria. Toutes ces guérisons nous réconfortent. Balobi konyo so nzupe so nzunzu. Et agrandissent notre foi par rapport au surnaturel. Pezo yeisa konsimba biso makas na yotali makwa molimo. Mort ressuscité. Mokole koya ba wa ba koseko. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant, je vais vous dire un secret qui me concerne. Quand tu as besoin d'argent, tu me demandes l'argent. Le colosanapos, si tu me dis, pasteur, j'ai foi. Que par vous, Dieu va me bénir. Même si j'ai ça dans la poche, tu n'auras pas. Attends, dans la poche, tu n'auras pas. Avoir la foi que Dieu va passer par moi pour te bénir. Pourquoi ne pas avoir la foi de recevoir toi-même directement? Ozana kondi makaka nzamba le kana nzela nangai pona ni te nzamba emoka fungula likola tinde lombo. Ozolu kandele kelelo yozo tina nzamba asale na nzelo lingi. Et il reste à des défis plus que toi. O kutu pe asana ba koko soko le kayo ekosimba te. Dis-moi parce que j'ai besoin d'argent, si j'en ai je te donne. Yebisa ngamusa na nzamba nasana posa mbungu soke sana kupesa. Ça paraît vraiment urgent, même si j'en ai pas, je veux me casser en mille morceaux, contacter des gens pour que tu puisses avoir la solution. Soki pende za ya mbangu mbangu to kosala nyonso pozo ya. Je n'aime pas la blague autour de la foi. Na linga kate kosala bafanti na te kontima. Je vois que je dois voir que je osate. Nazala kontima ke nkozelo ko epa. Wana tiango na nkolo. Tiela nzambe kontima. Alors l'argent appartient. Amen. Alléluia. Amen. Il est important que nous apprenions à exercer notre foi. Ezamo tuya toye ba kotia na ngala sisi kontima na biso. Est-ce que tu sais que tu vas prier? Parce que je me vais me dire tu peux. Parce que peu ne veut pas seulement dire pouvoir, possibilité, mais le verbe pouvoir veut dire aussi probabilité. Verbe babengi pouvoir, il est quand on le bat. Utilise le verbe aller comme pour affirmer que c'est comme ça que ça sera. Est-ce que tu sais que si tu vas prier pour un malade, il sera guéri? Yo ebi que sont ok, kobon dépend mobile akobika. Alors la dernière fois que tu as prié pour un malade, c'est quand? Mbalasu kobon de la pona mutu azobe les aïm konyo. Ne va pas me dire que ça fait longtemps que tu as rencontré un malade. Koi bisangate l'équipe pensa bambou le belé okutana muta bokono. Il y en a tellement autour de nous. Et belé nzinga na biso. Là le climat est en train de changer. La chaleur revient et ça entraîne de maladie. Climat zo changé, moye zo ya tout ça bokono so ebelé. Exerçons notre foi. Une aussi petite foi est capable de déraciner un arbre plus gros que mangué. Mais si alors ta foi a la taille d'un noyau même, de quoi, on appelle ça noyau d'une mangue. Ouais. Et si ta foi arrive à avoir cette taille-là. Kondi memu kelegete et picolin zete amunene. Et bon, on serait comme moi, on est le cola, mouko koli amang. Qu'est-ce que tu ne feras pas? Au constat, la ninité. Le volume, la taille. Taille, l'augmentation de ta foi dépend de son exercice. Deuxième réponse. Comment entretenir, nourrir notre foi? Boniko, samakasi konzima na biso. La deuxième réponse. Et nous avons comment entretenir notre foi? On doit poser ça comme ça. Boni tole tole samalam konzima na biso. C'est en la nourrissant. Ezali nakole saka yango. En la nourrissant. Nakole saka yango. La foi a ses sources. Kondima ezali na bibi melo na yango. Ici j'ai déjà prêché qu'il y a la différence entre manger et se nourrir. Awa nateya kokesanane kotia biloko na munoko nakolia. Et tout à l'heure à l'introduction je viens d'en faire allusion. Na yebandela matia ah non tu peux kolobela yango. Vous pouvez manger juste remplir le ventre, mais de n'avoir pas quoi, grand-chose par rapport aux éléments nutritifs dont votre corps a besoin. Quand tu manges une grosse boule de foufou avec un petit morceau de dendo, donc là tu as mangé, tu ne t'es pas nourri. Parce que le problème c'est que ce foufou d'abord, un, est Lazare. Pas maté foufou, non, il est là. Lazare, c'est-à-dire le bidormant. Et là. J'ai appris ça dernièrement. Là, c'est le professeur Jonathan qui m'a donné le cours. Il dit, vieux, partout au monde, ton nom va donner à ton nom. C'est que dans le quartier, on a passé que ça va Lazare. Waouh. Waouh.
Tu peux manger un gros lazare. D'abord, c'est fermenté. L'amidon qui est là a tendance à devenir comme voisin de l'otoko. Amidon est là pensé comme fermenté le la l'otoko. Et tu ajoutes maintenant le piment en poussière. Au baptiste, au pilipili, il y a poussière. Et un tout petit morceau d'odeno. Regarde comment est-ce que tu es en train de grignoter par tes dents. Et surtout là où il y a la peau rouge là, là où il y a les cubes. Donc il y a plus de sébène que là où il y a plus d'huile au milieu. Donc tu connais même la géographie d'un morceau de viande. Tu manges, tu es rassasié. Mais tu n'étais pas nourri. Maman Karine se fait tresser quelque part vers qui en fout Sainte-Bernadette là-bas. Très tôt le matin autour de 8-9 heures. Et il y a un enfant juste devant la maison là, en train de manger un gros foufou avec un petit morceau de dindon. Elle est tellement admirative que la grand-mère du petit a vu. Elle dit, hey, maman, Zoka, moi, non, elle est bien. Quand nous sommes dans foufou, on a aussi sa gognose. Azana onction. La pauvreté amène des choses. Oh mon Dieu, bénis mon pays au nom de Jésus. Amen. J'ai appris que la rame de poisson va descendre à 10 dollars. Naoki kuna carton en bus, carton. Carton à 10 dollars. Rame ou carton? Rame. Rame et à poisson ou carton à 3 rames en principe. Carton, mon conseil, c'est ça. Qu'on va commencer à acheter un kilo de séchard à 1 dollar. Tu ressembles à un kilo de séchard à 1 dollar. Mais tu dis que ça va se faire à Omezonga. Parce que vie, Benzan, ça va. C'est possible. Je vous avais dit que les prix vont baisser. Amen. Bah, priez, Kokita. Ah, c'est un début. On arrive en 2028. Tant qu'on commence en 2028. Vivre au Congo sera mieux que vivre en Europe. Kobi, quand au Congo et Koleka, Italie. Amen. Amen. Nourrir. Kolesa, Kondima. Il y a 7 sources pour nourrir la foi. Et Zalina Bizibeli Sambo pour la Kolesa, Kondima. La première. Yembo. Nous l'avions déjà apprise. Tout le bac yango déjà. Des révélations générales et spéciales de Dieu. Mimeni c'est le ya batonyo zotopia koki sananzam. Des révélations générales et spéciales de Dieu. Bimoni c'est le ya batonyo zotopia kesani penza. Je vous ai promis tout un enseignement sur la révélation et l'inspiration. Nous allons voir ces choses en détail. Na la kibiso matanga tali bimoni selo pe ba inspiration na kutanga sabiso. Dans Romains chapitre 1. Na mokanda Romains 1. La Bible nous apprend que Dieu se révèle par la nature. Biso biso nzambe amemoni sina koke na bikela mnyoso. Ça c'est une révélation générale. Wane zali emoni selo ya poisson. En lisant mes notes, je suis tombé sur une vieille prédication que j'ai livrée ici. Au cours de laquelle j'avais donné tout un enseignement sur la révélation générale de Dieu au travers l'histoire. Cette prédication, moi-même j'ai prêché ça, mais ça m'a béni en relisant. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fais de nos prédications à la maison. C'était autour de l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Nos pères nous ont appris. Nos pères, tout ça. Mais vous, vous dites, ça c'est la révélation de Dieu au travers l'histoire. Quand Gédéon en juge justice dit à l'ange, nos pères nous ont raconté. C'est la révélation de Dieu par l'histoire. Donc j'ai cité deux sortes de révélations générales. Dieu se révèle par la nature, Dieu se révèle par l'histoire. Je m'arrête là, il y en a plusieurs. Parmi les révélations spéciales, la plus spéciale, c'est la révélation de Dieu par Jésus-Christ. Deuxième source de la foi. Nous nourrissons notre foi par la lecture et la connaissance des Écritures. Par la lecture et la connaissance
des Écritures. Nakotangaka pe koyeba kamakomi. Aujourd'hui, j'ai préparé deux prédications. Lelo nalengana ki matia mibale mobimba. Je finis seulement le brouillon de la première prédication. Demain, je vais la mettre au propre. Et vendredi, je commence avec la deuxième prédication, avec l'optique de pouvoir la terminer, parce que je livre la première samedi et je livre la deuxième dimanche soir. Na si ça qui désire y a besoin on a pas papier y a bon bon on fait un truc et c'est normal y a mis balayé pendant qu'on est dans le lobby pour la silly c'est un autre thème samedi à dimanche. Jonathan est venu chez moi pour une course et les gens de ma maison sont là. Depuis le matin, je suis sorti de ma chambre, descendu à 16h, 17h pratiquement moins ou juste déjà pour venir au culte. Depuis hier. Bandalobi na kiti na soupe na ngai kuna likolo na ngonga ya 16h to 17h. Parce que Pambaté, j'ai pas compris si vous pouvez vous connecter. J'ai pas compris ce que ça veut dire. OK. Parce que Pambaté, j'étais en train de travailler. Nazaleki na katia ko sala mosa. Et en dépit du fait que j'avais beaucoup à faire, j'ai eu le temps de lire 4 chapitres de la Bible. Libanda ya mikumba no saki na ngona zoki tango ya kotanga 4 chapitres ma komi. Et j'ai fait rire ma femme. Na sekisa ki masina ngai. Aujourd'hui, j'ai découvert lelo na moni que le psaume 119 Nzembo 119 a presque le même nombre de versets que le 10 premiers chapitres de Daniel. Ezali na ba nombre ba versets kotala na 10 premiers chapitres à Daniel. Daniel ou Osée, un prophète. Entre Daniel bien Osée. Donc, c'est celui qui a lu le psaume 119, qui a 176 versets. Moto atangi psaume 119, ça a 176 versets. Est comparable à celui qui a lu le 10 chapitres, soit de Daniel ou bien de Osée, parce que ce 10 chapitres ont au total 172 versets. Et quand il y a moto atangi 10 premiers chapitres, soit c'est le livre de Daniel ou bien Osée, pambati yango pe ezali na motango ya ba versets moko. Donc, c'est possible ce genre de choses que pour quelqu'un qui prend son temps et s'intéresser aux Écritures. Et quoi qu'on s'en va à prendre la moto, à 8 ans, on a épié, mais continue ma commis. Bien aimé, Olingami, tu dois comprendre, au Sénégal, au Sosola, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand bac en haut, calme une responsabilité personnelle qui te revient. Et ça, dans mon combat, ils ont gagné là-haut. Au-delà de ce que ton pasteur ou tes pasteurs te disent, pour les calaux, battre pas solo banayo. Toi-même, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Yomoko, Sénégal, Mille, et Sénégal, le banan zambé. Au besoin même. Koutou ata. Si cela est possible, serait quoi qui va suivre la formation en théologie. Kende koye ko lakuna na théologie. La secrétaire de qui j'ai. Secrétaire à qui j'ai. Fais la théologie. Azo sa théologie. Le président de la jeunesse de cette église. Président jeunesse qui est ton. A fait la théologie. A sa la théologie. C'est interdit à personne. Et puis ça me les montote. Tout le monde peut faire la théologie. Bon, ce que ça la. Pour fournir la connaissance. Pour la koko li sa boyebi. Il y a un grand pasteur. Il est là, mon célèbre sur les réseaux sociaux. Il est là, les réseaux sociaux. Il dit que même Jésus n'a pas appelé Dieu éternel. Abenga Nzambe éternel. La vidéo est sur Internet, ça fait du bruit. Et ça, ma quelle est l'écoute en Internet? Oh, le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen. Le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen. Donc, Yahweh ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Yahweh na Nouveau Testament isaté. Jéhovah ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Jéhovah pe na Nouveau Testament isaté. Pas la personne mais l'appellation. Ebengeleli. Parce que le Nouveau Testament est écrit dans une autre langue que pas l'Ancien Testament. Pas maté Nouveau Testament et komami na elobele mususu kota na Ancien Testament. Le mot éternel qui est utilisé dans le Nouveau Testament c'est un adjectif. Mot éternel ou basé na Nouveau Testament isaté adjectif. Voilà pourquoi on dit la vie éternelle. La vie éternelle. Éternellement. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Et comment dans le Nouveau Testament? Mais Dieu, on ne l'appelle pas éternel dans le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament a une autre langue originelle, le grec et l'araméen. Nous sommes bien éternel dans le Nouveau Testament, mais le grec appelle Dieu Adonai comme Seigneur. C'est pourquoi, là où le psaume 110 a dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ton droite, même là, l'Ancien Testament, si l'Ancien Testament utilise éternel, le Nouveau Testament, évoquant le même texte, va remplacer Seigneur ou Dieu par éternel. Ah, t'es ici que le bel éternel, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tiens, on a Seigneur, n'est-ce qu'à éternel. Et j'ai entendu un pasteur qui disait,
Sarah appelait son mari Seigneur. Et depuis un certain temps, j'entends les femmes appeler leur mari Seigneur. C'est bien. Mais Seigneur Dieu et Seigneur Marie, c'est deux choses différentes. Parce que en fait, Dieu c'est Adonai. Adonai. Mais pour le mari, c'est Adoni. Adoni. Et en bon français, on met Seigneur Dieu en S majuscule et Seigneur pour les hommes en S minuscule. Et le porteur malamba kotia kan kolo ya mibali na S ya mukie pe ya nzambe S ya munene. Depuis tanga soki na kenda ki théologie te biloko na ngana ye bango abona ye biso ofele po yo kenda ki te ngana ye biso ofele. Oluka ko ye bango. Donc on allait continuer une discussion creuse. Donc, on voudrait passer pour une discussion spirituelle, mais qui n'en est pas une. Achète une Bible d'étude. C'est combien maintenant ce qu'on 50 dollars. C'est trop cher maintenant. À l'époque, COVID, j'avais acheté ça 20 dollars. 25 dollars. Il y a une personne qui a acheté ça. Ça, je peux être d'accord. 50, c'est trop cher. Il y a plus cher que ça, la Bible semeur d'études. Semeur d'études. Aujourd'hui, j'ai utilisé que ça pour préparer ma prédication. Que ça. Na sele ki kaka yango pona kolenga na matin. Bozwe bele. Semeur d'études. Semeur je vous le recommande. Na tindi bino yango. Ça coûte 40 dollars ou 50 et on le vend à Bandalungwa, je connais l'adresse. Et ça entre 40 et 50 dollars, bah t'es la Bandalungwa. Là où sont, se trouvent les distributeurs de cette Bible là. J'ai même acheté ça pour maman scellée à l'époque. Tout ça, c'est à Bandalungwa, à l'enceinte de Sebeko. Kuna na Sebeko Sebeko na Bandal. C'est important. Et ça motuya. La foi vient de la parole, mes amis. Konzima ekuta ka na maloba. Otanga na yo kondi mezoya. Ozo tanga kaka kondi mezoya. Bamsu baliaka na sa pongi. Attends d'arrêter. Bah tout ça niveau les colo le coso baliar na sa pour dans son une maman je dis dans la vidéo mon amour à la type pas mouquer olia on est pas olia olia attendez c'est censé la lier attendez et mon ami m'a dit non il faut pas encourager les chrétiens à lire la Bible comme un roman. La Bible on la lit par révélation. Je lui ai posé la question, quelle Motomako bité ko tindika te bali batanga ngolo ko la buku ya mokili batanga ko na emoniselo ntune emoniselo Paul dit à Timothée. Thomas Paul a dit à Timothée jusqu'à ce que je vienne. 1 Timothée 4:13. 1 Timothée 4 kinonga inaya jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Kinonga inaya mikotisa na kotanga. Dans Deutéronome 17 on dit le roi devrait avoir une copie de la loi. Mokonte se ko zalana mikanda ya mibeko afin d'y lire tous les jours de sa vie. La lecture biblique est cursive. Comme un roman. Exactement. Comme un roman. Parce qu'elle suscite des questions, vous notez ça, ça fera l'objet de recherches approfondies. Tangu etuni sibino mituna botiango mpene ekomi kotinda bino boluka na muzindo. À force de lire et de relire la même chose, la chose finit par s'incruster en toi. Mingi na kotanga kelo komo komba lebelele kokosuka koya kufana kati na bino. Demandez aux gens qui ont fait l'occultisme, ils vous diront qu'en contact avec leurs livres magiques, ils ont eu accès au mystère satanique. Botuna bato asoloka kotanga ka babuku ya bondoki ekotisi bango kuna na epimelo likole ya bondoki. Acte 19. Acte 19. Ceux qui ont pratiqué la magie sont venus remettre leurs livres entre les mains des apôtres. On accède au mystère par le livre. Je reprends. On accède au mystère spirituel par le livre. Et si c'est possible pour cet imitateur qui s'appelle Satan, l'original chez Dieu est aussi valable. Ézéchiel 2:2. Il écoutait la parole. Et l'esprit est entré en lui. L'esprit de la parole est entré en lui. Lis la Bible chaque jour, mon bien-aimé. Ici, je vous ai même donné des astuces.
Entre la maison et l'université, entre la maison et le bureau, si tu prends un bus, un taxi, tu as la possibilité de lire plus de 4 chapitres. À part moto, si on dit catch, entre Ndakuna bureau, on dit 4 chapitres. Pas la moto, hein. Le véhicule. Parce que ces gens-là, ils sont ous. Donc, il faut que toi-même, tu sois vigilant comment il est en train de vous dribbler là. Attends, 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 attends. Amen. Amen. Mais si vous marchez à pied ou dans, sur une moto, vous pouvez mettre la Bible audio. Vous mettez vos casques. Il existe des applications dans les téléphones où la Bible vous est lue par quelqu'un d'autre. Dans ma tablette, je l'ai. Dans mes téléphones, je l'ai. Les applications là, elles ne coûtent pas cher. Elles ne pèsent pas trop en termes de mégas. Bible audio ezali okokotsanga na matoi na bazo mundela zo tangela yo makambu yo zoyoka. Je prie Dieu que tu comprennes pourquoi j'insiste sur l'aspect de la Bible. Na boneli nzambe okososola bonne zobeta sete na tele makomi. Tu as à ta portée une source permanente de la foi. Ozana yango na maboko na yo ebimeli ya solo penza ya konzima. Certain. Eza penza ya solo. Servez-vous-en. Bo salela yango. Alléluia. Troisième source de la foi. La grâce divine de la mesure et la proportion de foi. La grâce divine de la mesure et la proportion de foi. Kondima ya bonzambe ya kokokana na kondima. Ngolu ya bonzambe kokana kondima. Romains 12, 4 et 6. Romains 12, 4, 6. J'ai déjà dit ça, je ne traîne pas, je passe. J'ai dit quoi? Chaque nouveau converti a reçu de Dieu une mesure de foi. Donc c'est une des sources de la foi. Maintenant sa taille dépendra de quoi? De l'exercice. De l'exercice. Quatrième source de foi. De la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Quand je dis de la personne, donc la phrase initiale c'est notre foi est nourrie. Ah ok. Konzima na biso elesami na bomoto pe mosala ya Yesu Christ. Alléluia. L'œuvre de Christ. Mosala Yesu Christ. Nourrit notre foi. Elesa konzima na biso. La personne de Christ. Nourrit notre foi. Et laisse continuer la Encourage notre foi. Et ça commence à continuer la vision. Hébreux 12 verset 2. Hébreux 12 2. Ayez vos regards fixés vers l'auteur et le consommateur de la foi. Botia mis son abino na oazali ebimeli pe aliaka continuer la vision. Ça aussi c'est une autre erreur littérale ou littéraire. Ezali pe bongombe ba moko ya kolimbo le. Le consommateur de la foi ne veut pas dire celui qui se nourrit de la foi. Le mot là-bas veut dire celui qui amène la foi à la perfection. Ah, il y a un coloba. Lisez ça dans Semeur, lisez ça dans Français courant, vous allez voir la nuance. Cinquième source de la foi. De la révélation et des dons. Du Saint-Esprit. Et koutaka na emoni selipe bikabo ya moni mosantu. La révélation et le don du Saint-Esprit. Emoni selipe makabo moni mosantu. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a un don qu'on appelle le don de foi. Na kati ya makabo moni mosantu moko babengaka likabo ya konzima. Cette foi est spéciale. Konzima wana ezaya kokesana. Elle ne vient pas des écritures. Et outaka na makomite. Dieu sait que dans cette situation là, vous avez besoin d'un atout. Vous avez besoin d'un outil. Nzamba yebi ke na tango wana ozana posa ya eloko moko qui s'appelle la foi. Kombo nango konzima. Mais vous ne l'avez pas ou vous ne l'aurez pas. Quand je dis vous ne l'aurez pas, peut-être en termes de temps, en termes d'urgence, d'après votre limite de la connaissance des Écritures. Bozana yango te tope bokozana yango te kotalisama molai ya mozindo ya bino ya makomi. Mais la situation doit être résolue. Kasi koko so esengelezwa yano. Et il vient lui-même, il vous dépose la foi. Ayeye moko atie konzima kati na bino. Et quand vous en servez, tango bino bosaleli yango, le résultat est là. Et yano pesami. Le miracle est là. Bikabo pesami. Vous comprenez ça? Sozoli yango. Une femme dont l'enfant meurt. Mwasi oyo mwana adaye. Du coup dans son cœur. Na poisson na motema. Elle se dit que cet enfant va ressusciter. Elle prend l'enfant.
Elle le dépose dans la chambre de l'homme de Dieu. Son mari lui pose la question, pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui? C'est même pas le jour du culte. Elle répondit quoi à son mari? Tout va bien. Tout va bien. Géasi le rencontre. Pourquoi tu viens précipitamment? Est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant Élisée le prophète. Qui nous a commis le bosseur Mosakoli. Et la conclusion? Souka. Son enfant est revenu à la vie. Moi, nanaye, azongi na bomoi. Parce qu'elle a reçu un don de la foi. Papati azongi li kabo ya kwanzima. Hébreu 11, la Bible dit. Na Hébreu 11, Bible dit. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Basi bazwa ki ba vumbi na bango. Elle fait partie de ces femmes qui ont eu la foi pour expérimenter la résurrection. Azali, Dieu que ce don de foi te soit donné. Là où ton humanité pouvait te dire ce n'est pas possible qu'un don surnaturel te vienne spécialement de la part de Dieu. Et que tu croies et que tu vives le miracle. Et pas maïel et pas ma coquine sous qui tika les sungues de penanzambe pour bikabikam. Sixième source de la foi. Sixième source, Yakonzima. De l'écoute de la parole et de l'enseignement sur la foi. Et koya kaka nakoyo kaka malobananzambe pe mate anaweteli konzima. De l'écoute de la parole. Koyo kaka malobananzambe. Et de l'enseignement sur la foi. Pe matangisi Yakonzima. Je vous ai dit une dimanche. La foi doit être pour nous une définition active et dynamique de Dieu. Konzima esengeli ezala pona biso lolenge ya kolimbo la penza na sikisiki nzambe. Parce que Dieu ne se manifestera à nous que à la mesure où nous croyons en lui dans tel ou tel autre aspect. Mama tenzambe ya ko mitali saka epa na biso kaka na lolenge tozonzi melela ye na eloko moko to songolo pakala. Personne n'était déjà ressuscité. Motomoko ase kwa kana nute. Mais Abraham a cru que même si Dieu me demande de sacrifier mon fils, je vais le récupérer. Hébreux 11, 19 dit par une forme de résurrection. Kasi Abraham yanzimi na tango wana moto senga na teke soki na bondi mwana ngai pa na nzambe akoki kozongisa na lolenge alise kwa. Que dis-tu de Dieu? Nini yo zolo banati na nzambe? Que crois-tu que Dieu est? Nani yozondi manzambe azapona yo. Quelle capacité attribues-tu personnellement à Dieu? Makokinini yozopesa manzambe. Tel tu crois en lui, tel il se manifestera en toi. Nenge yozondi melaye, kaka ndenge pe ngomitali tsere pana yo. Alléluia. Amen. Si tu crois que Dieu est capable de payer le minerval de tes enfants, ce minerval sera payé. Sokonzi bi nzambe azama ko futa minerval bana no ko futa ma. Si tu crois que Dieu est capable de te changer de statut de locataire en propriétaire, même en bailleur, Dieu est capable de le faire. Sokonzi bi nzambe ko bongolo longwe locataire ko mi papa bailleur, maman bailleur a ko sala. Vous avez vu cette femme qui vendait les légumes? Omoni mo sala lote ka ndunda. Qui non seulement est sorti avec plus de $2,000. Plus de $2,000. D'un culte vers lequel elle n'allait pas. Parce que le pasteur est sorti en dehors de l'église, conduit par le Saint-Esprit, et il l'a prise par hasard pour entrer avec elle à l'église et lui faire ses dons. Pambate mosala nzambe a pikola ke na nzela a memama ki libanda pe azo koti na kati pa sale kabwana. Asu balobi tala azalo lendo, azamu luba azalo lendo, atuka ngana solo kabalo lendo abongo. Amen. Que Dieu m'envoie des orgueilleux comme ça. Amen. A saliné l'olendo, mais à pambolingaï. Amen. Arrêtons de critiquer à tout moment. Totika ko critiquer na tango nyos. Faisons seulement un effort de voir le bon côté de la chose et le reste passons en passant. Totala likambo malam ne lo kwana msutoleka. Amen. À la fin, j'ai la vidéo pendant plus de 4 minutes. À la fin, on lui donne une parcelle avec des locataires à l'intérieur. Maintenant, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Dimanche, kaka zinga zinga église wana. Eh non, il y a des choses que Dieu prépare pour quelqu'un. On ne force pas ces choses-là. Ça, c'est le schéma de Dieu. Et la misère a tellement détruit sa foi.
Kozanga ebuka ki tellement contaminé que au point qu'on lui pose la question tu veux combien, elle dit 200 dollars. Ma personne combien a mis 200 dollars. Juste nous on a voyé loyer. Na problème ça n'a pas barado a mis 200 dollars. Nga soki yé mais na bakisi 30 na sima 200. Comme ça nous tous autour on va faut calculer bien balasima, faut poser question à la maison pas tout côté. Oh my God. Dieu va se révéler à toi comme tu le définis. Nzambe a commis talise pe non ndenge zo limbolela yango. Écoutez, dans Marc 6 1 à 6. Yokana Marc 6 1 à 6. Le puissant, le tout puissant Jésus. Moto aleki na makasi Yesu. Qui ressuscite de mort, qui marche sur la mer, Jésus qui fait des choses terribles, qui ordonne même aux tempêtes de se taire et les tempêtes obéissent. Quand il arrive à Nazareth, les gens de Nazareth n'ont pas cru en lui. La Bible dit, il ne sut faire là, il ne put faire là aucun miracle. Sinon qu'il guérit quelques malades. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Je connais pas ta situation. Je n'ai pas la solution à ta situation. Mais je connais une adresse. Quand on amène un problème dans cette adresse, on ne rentre jamais dessus. Cette adresse n'est pas un lieu géographique. Cette adresse se trouve en toi. Crois dans ton cœur que Dieu est capable de résoudre toutes les situations. Et tu verras les solutions à tous tes problèmes. Nourris ta foi en écoutant les enseignements qui encouragent ta foi. Osborne a dit là où on ne parle pas de miracle, il ne se manifeste pas de miracle. C'est vrai. Parce que la foi vient de ses connaissances. En '96, je priais, je fais recevoir Christ à une jeune fille à Bandal. 1996, Bandal. Elle allait au marché, elle a reçu Christ, elle est baptisée du Saint-Esprit dans la rue. Elle a jeté ça, l'argent jeté de côté. Elle a commencé à trembler, à prier en langue. Langue mon Dieu, son niveau sort. Ok. La semaine elle est à quatre. Amen. Dans mon église, on nous a toujours dit que ces choses c'est pour les anciens de l'église. Voilà un enseignement qui a déformé la vision et la foi des membres. Tala litango ye bebisi emoni selope konzima ya ba membres. Ta foi augmente là où on te donne des enseignements, des exhortations sur la foi. Konzimone koko leseka ba kotangi sakayo na etali konzima. Voilà pourquoi la restauration, même le vendredi qui est supposé être un jour de prière, il y a toujours une exhortation, même un enseignement avant de conduire les moments de prière. Parce que la prière doit s'asseoir sur un fondement des Écritures. Le point de prière que nous vous donnons, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Non. Parole. Liloba. Parole, écriture. Et quand on bombarde 10 points de prière, tu sais que nous sommes dans ce qu'on a enseigné. Et toi-même, en tant qu'enfant de la restauration, tu dois être capable d'écouter chaque prédication partout et de faire sortir le point de prière de cette prédication. C'est simple. Parce que tu exerces à ça. La septième source de la foi. J'aime ça. Des circonstances et expériences vécues. Wow. Des circonstances et des expériences vécues. Vraiment, j'ai aimé ça. Parce que, entre parenthèses ou deux points, il y a les miracles, mais il y a aussi les épreuves. Miracles et épreuves. Ezali nabi kamwa ezape na mimekano. Oh, tu n'écris pas ça. Des circonstances et expériences vécues. Deux points. Miracles et épreuves. Bikamwa pe bakokoso. Le miracle que tu expérimentes de la part de Dieu alimente ta foi. Bikamwa bikepa na kolo eyesi makasi kondima. Les épreuves aussi que tu endures
Dans ton parcours, ajoute ta foi. Voilà pourquoi dans la vie d'un enfant de Dieu, le diable sera toujours perdant. Dans la vie d'un enfant de Dieu, le diable sera toujours perdant. Parce que même les problèmes qui te créent deviendront une source énergétique pour ta foi. Même les complications qui te créent sur ton parcours, ça, Dieu va s'en servir pour donner de la force à ta foi. Les apôtres ont été chicotés dans la prison. Ils sont sortis contents de ceux qui ont été maltraités à cause de Jésus. Est-ce que vous avez un peu de jamais. Il a été privé de bien de droit. Ses difficultés deviennent pour lui une source inspirationnelle. Alors, pour nourrir notre foi, retenez qu'il faut 5 grandes choses. Je vous le cite rapidement. On y reviendra par la grâce de Dieu le mercredi prochain. Première chose, étudier les Écritures. Lire la Bible. Donc, écrit seulement étudier les Écritures. À l'intérieur, là-bas, il y a beaucoup de choses. Lire la Bible. Écouter la Bible comme la pure parole de Dieu. C'est la meilleure façon de conserver la pureté de votre foi. Pour nourrir notre foi, il nous faut, deuxième chose, très important, écouter et vivre en compagnie de gens de foi. Qui sont tes amis? Avec qui tu passes le plus de ton temps? Lorsqu'au milieu du travail, de l'école, ton voisin, ta voisine de banc, du marché, du bureau, n'est pas pour toi une source de foi. Évangélise-le. S'il refuse l'évangile, sois boy. Évite de trop bavarder avec lui ou avec elle. Sur des futilités. Tu dois passer le plus de ton temps en compagnie de gens qui te communiquent les paroles de foi. Pour ça, il faut savoir choisir son église locale. Parce qu'une bonne communion fraternelle garantit ta croissance dans la foi. Une bonne communion fraternelle garantit ta croissance dans la foi. Paul dit, je ne vous loue pas, je ne vous apprécie pas. Parce que lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Pour nourrir notre foi, il faut, troisième chose, affronter positivement toute épreuve de notre foi. Sachez que si nous affrontons positivement toute épreuve de notre foi, cela a fermé notre foi. Ce qui pèse à ton zimi bongo, mimi kanyo, c'est malam yo konzi manabiso, wana koi samakasi konzi manabiso. Voilà pourquoi je dis que les épreuves, tout comme les miracles, constituent une source de foi. Mimi kanyo pe le ko la bika moi, ezali pe bisebili ya konzi manabiso. Quatrième chose, yaminei, exercer notre foi dans toutes les circonstances. Kotiya na ngalasi konzi manabiso na bakoko sonyoso. Mais aussi, kasi pe, apprendre à partager les témoignages des œuvres de foi. Cela encourage et augmente notre foi et celle des autres croyants. Église de la restauration. Quand vous venez pour témoigner, ce n'est pas pour glorifier le pasteur. Venez témoigner pour rendre grâce à Dieu.
Parce que tout témoignage authentique. Même la guérison d'un rhume. Ata lobi ko ya rhume. Édifiera la foi de quelqu'un d'autre. Et koyé sa makasa si kondima mutu mususu. Je bénis le Seigneur. Vraiment, dans un bon côté, mutu mwa kabelinga $5. Mutu mususu a dit $5. Tout le monde a témoignage. Un témoignage. Kasi yaka na mouti. Yaye na mo, ponza ma pembolina. $5. C'est un témoignage. Amen. Et ça, c'est important. Motuya. Je dis à Jonathan, ne faites pas guérison sans que les gens qui ont expérimenté la main de Dieu dans les éditions précédentes ne passent avant la prédication pour livrer les témoignages. Kole ki sa te guérison sans que bato o ba ya ki na édition passée ba le kaliboso pe ba ngwa tato la. C'est une proposition que le pasteur Jean-Jacques m'avait fait par rapport à la croisade de 2014. Et ça dit bon onde pasteur Jean-Jacques Kemsenga na croisade 2014. Chaque jour faire passer quelqu'un qui a un témoignage par rapport à la soirée précédente. Vous comprenez ça? Amen. Ça encourage la foi des autres. Ça édifie la foi des autres. Dernière chose. Évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? C'est amener les autres à la foi. Lorsque vous évangélisez, la conversion là, des nouveaux convertis, permettez la tautologie, va exciter votre foi à vous, l'évangélisateur. Mbongwana ya mutu wa bongami sika ekoye samakasi kondima ya yomote. Car la foi enfantine. Pambate kondima ya bongwana. La nouvelle fraîche foi. Kondima ya sika. De converti. Ya ba bongole motema. Défie souvent les anciens croyants. Eye epe saka défi mingi mingi na ba bongo makala. Si ko soit quoi une mauvaise poule. Auprès d'un ancien croyant rétrograde. Ah, c'est bon. Bah, zèle, osé, en arabe. Je vais te voir, mais, il y a aussi quelqu'un m'a dit ça en 1993. Je le cherche. 1993, je le cherche. Nazolukai. Parce que je suis encore là. Nazalia. Je suis encore là. Nazalawa. Sur le chemin de la foi. Nazalia, qu'on le Seigneur nous fortifie. Nazalawa, tu l'as faute, erreur, chute, il nous relève. Bambe banyo so so tele misabiso zelo zalo parce que wana malamona komunda ta patona mbenza na yebaka na gambela na somba gilet chaque jour à culte dans la beta gilet wa so ka moninga na gilet baka na ke culte mbenza non frère un grand frère m'a regardé petit na ngi so to banna biloko wana oh quand il disait to banna biloko wana zaki de way chance. Ce n'est pas que je répondrai à Erwan. Dieu va te garder dans la foi. Et surtout, n'hésite pas à prêcher l'évangile aux autres. La femme, doit sa longévité à la maternité. Une des raisons qui fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est la maternité. Il y a le sang qui s'écoule. Mais en réalité, Dieu a mis en elle la possibilité d'un renouvellement. Pas seulement par rapport à leur cycle, je parle de la naissance, de la maternité. Si tu veux vivre longtemps, gagne beaucoup. Si tu veux vivre toujours dans la foi, amène beaucoup de gens à la foi. Et tu seras surpris que Mouto Teya a obé ta témoignage. Il y a un chapitre. Yomogo Yambuta. On dit moi non, Yazo Yamabe, moi non. Tubiloko Natanga Okala. Tu es défié. Yopenza Otiamil Bosona défi. Et toi-même, tu reprends. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas de défi. Toi-même, tu es Dieu le Père. Le Fils. Moi. Tout c'est toi. Trinité. Tu as déjà atteint le sommet. Au Koka. Au Kola déjà, au Kubila déjà, au Nuna déjà. Donc, tu n'as plus rien à prendre. Tu n'as plus besoin de stimulation. La vie
n'a plus de saveur sans défi. Bon moi, ils ont la sucralité, ceux qui défient les adultes. Il y a quelque chose qui doit te faire réveiller le matin. Tu sais qu'aujourd'hui, je me réveille pour un but. Oui, parce que ils ont le coup moqué quand ils étaient sur Micolonios pour aller dans la télé pour la Tina. Voyez nos bien-aimés de Changu, ils font le pied depuis Zandu jusqu'à Massina, quartier 3, Pascal, Azo Pascal. Mais demain matin encore, il est sur la route. Il y a quelque chose qui le fait lever. Ils ont le coup moqué télé misagré na tongo. Let motive. Ils ont le coup moqué télé misagré na tongo. Si tu as des défis dans ta vie. Ce que vous avez défis na bon. Surtout ceux liés à ta croissance chrétienne. Mingi mingi na wetali boko liya bo Christo. Tu auras toujours la possibilité de te perfectionner. Oko sala katango na sala posa ya koya sika. Quelqu'un acclame la parole. On doit mettre les bons temps bien beaucoup. Alors, quelques questions maintenant que le panier d'offrande circule. Quelques questions s'il y en a. Oui, papa Cristal. Merci, pasteur. On a formulé une question. Comment pouvez-vous nous expliquer la place de la foi d'autres personnes produisant les miracles ou les résultats dans d'autres personnes qui ont eux-mêmes, en tant que concernés, n'ont pas eu la foi? On a pris des exemples de la Bible, l'histoire du centenier. Aïe pas aïe sous. Alors que serviteur n'est pas un problème. Yé mon co-serviteur le concerné a exercé foi en été. Mais centenier a sali le condimané le bosson aïe sous. Et puis aïe sous, abiki si, moutoza qui n'a problème, nanzila kondima moutoum sousou. C'est comme ça beaucoup de cas dans la Bible. Comment pouvez-vous expliquer cela ou expliquer du fait que nous autres, c'est-à-dire ceux au travers de qui le Seigneur voudrait passer, ceux dont le Seigneur voudrait utiliser la foi pour faire du bien à d'autres personnes concernées, mais qui forcément ne manifesteront pas cette foi-là pour jouir de tel ou tel autre bien? La réponse est simple, mon frère. Il y a une seule foi qui est personnellement individuelle, exigée en tant que telle, c'est la foi pour le salut. En dehors de la foi pour le salut, tout le bienfait que l'on peut recevoir de Dieu, on peut les recevoir par le truchement de la foi de quelqu'un d'autre. La base, c'est quoi? Dieu veut faire du bien aux hommes. Et dans sa souveraineté et dans son amour, il est capable de transcender ses propres principes à lui pour accorder un bienfait à quelqu'un. Deuxième chose, chaque miracle de Dieu est un enseignement. Le gars qui avait les yeux aveugles, dans Jean, je crois, 9. Dans Jean 9. Et qui a été guéri? Ouais, est-ce qu'il connaissait vraiment le Seigneur? Pas du tout. Est-ce qu'il avait une foi authentique en Jésus? Non. Parce que lorsque on le matraquait, lorsque même on l'a chassé du temple, il a rencontré le Seigneur. Avec ses yeux ouverts. Jésus lui pose la question, crois-tu? On dit, mais Colo. Il pose la question, il est qui pour que je croie en lui? Il lui, c'est moi. Et ce jour-là, il a déjà reçu le miracle. Maintenant, il croit personnellement en Jésus. Pour faire du bien à l'homme, Dieu est capable de ne pas considérer ses propres principes qu'il a établis. La foi qui est obligatoirement exigée à chacun de nous pour accéder au bienfait qui lui est attaché, c'est la foi au salut. Kondima o esengeli penza mutu na mutu amitali za pona konti na yeye izawe tele obiko kati na Yesu. Deuxième personne. Voilà, merci Daddy. J'ai une question qui va dans le même sens que la question du frère Cristal. C'est par rapport au miracle. Je voulais juste savoir, est-ce que le miracle relève de la souveraineté de Dieu ou aussi de la foi d'une personne? Parce qu'il y a quelque part dans la Bible des gens qui sont venus voir Jésus. À certains, il a dit ta foi t'a sauvé, mais à d'autres personnes, carrément, il a,
utilisé la méthode qu'il avait, la personne a trouvé la solution, le miracle. Alors je voulais savoir si le miracle relève de la souveraineté de Dieu ou de la foi de quelqu'un. C'est exactement la même question. Donc là, tu as donné les expressions techniques à ma réponse. La foi, le miracle, papa. Le miracle relève de la souveraineté de Dieu et ou de la foi. Topé na kondima. En français, quand on dit cette phrase, eux et ou sont séparés par une barre. Et na ou bakabola on a cascade. C'est-à-dire, on peut utiliser le deux, l'un à la place de l'autre. Donc, maintenant, je reformule la phrase pour utiliser le eux ou. Les miracles dépendent de la souveraineté et de la foi. C'est-à-dire, Dieu veut faire la chose. Et il veut que tu croies pour voir la chose. Dans d'autres cas, Dieu veut la chose. Ouais. Que tu croies ou non. Il fait la chose. Mais quand il va faire la chose, quand tu bénéficies de la chose, il va t'enseigner par ce miracle. Et tu finiras par avoir la foi en Dieu. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu après avoir reçu le miracle, c'est ton problème. Lui, par nature, il a fait quelque chose par amour pour ton bien-être. Amen. Amen. Parce que si tu dis que chaque miracle, il faut la foi. Déjà, l'exemple que Papa Christal a donné, c'est vrai qu'il y a eu la foi. Mais pas la foi du bénéficiaire lui-même. De quelqu'un d'autre. Et c'est l'un des avantages que nous avons à l'église. C'est que même lorsque tu ne crois plus, quelqu'un peut croire en ta place. Et cela peut influencer la donne. C'est pourquoi nos frères catholiques disent Kota la Pasu Munangate Talabo Yambi Église. Mais le vrai problème, c'est que c'est tout le monde qui dit ça. Parce qu'ils battu nous sur le balcon. C'est ça le vrai problème. Et finalement, on se demande où est la foi de l'Ecclésien. Mais il y a quelqu'un sur la terre qui croit en la solution de ton problème plus que toi. Et qui prie pour toi. Et Dieu peut tenir compte de cette foi. Pour agir pour toi le bénéficiaire. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Une dernière question, on a dit, issue de cette question, je risque de partir dans ce... Il est déjà 19h. Il y a une question en ligne qui dit quoi? Si la foi peut aussi? Oui. Il y a une question sur Internet, en direct, quelqu'un demande si la foi peut aussi être un os virtuel. C'est oui. La réponse est positive dans 1 Corinthiens 12, 9. Prochainement, nous allons carrément, après avoir fini cet enseignement, nous pourrons donner les sortes de foi. Amen. On va donner une série sur les sortes de foi. Avec verset biblique à l'appui. Il y a la foi comme don. Il y a la foi comme mesure ou proportion accordée à tous les nouveaux croyants. Il y a la foi qui vient de la parole, Romains 10:17. Là, j'ai déjà cité 3 à 4 sortes de foi. Il y en a plusieurs, on pourra les citer prochainement. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Là, ma tablette a carrément bugué. Il y a une autre question en ligne? Non, il n'y avait que cette seule question. Voilà. Oui, il y avait une autre question que je voulais dire. Oui, en fait, un éclaircissement. Ouais. Je ne me rappelle pas du texte, mais j'ai la pensée que dans l'Ancien Testament, ouais, il est écrit quelque part que tu ne forceras pas la main de l'Éternel ton Dieu. Je crois que c'est dans Exode. Je voudrais maintenant poser la question. Tu ne forceras pas la main de ton Dieu. Oui, la main de l'Éternel ton Dieu. Ou la formulation voudrait dire quelque chose de pareil. On a toute la question par rapport, il y a, bon, un style de message qu'on dit, bon, à la référence, il y a texte. Il y a la femme à la perte de sang. Daddy, est-ce qu'au nom de la foi, la personne peut obtenir quelque chose que Dieu n'avait pas prévu
pour lui, si comme cela, alors dirons-nous que la foi peut outrepasser la souveraineté du Seigneur? Je ne sais pas si j'ai bien formulé, mais l'idée compris, est j'ai très bien compris la question. Maintenant, là, c'est dangereux, il faut que je revienne sur ça avec un enseignement. C'est la notion de la prédestination. Les musulmans ont défini la prédestination comme que tout ce qui m'arrive, tout sans exception, est voulu de Dieu. Voilà, c'est l'expression qu'ils utilisent. Alors maintenant, quand tu lui dis par exemple, je vais te tuer, il te répond, si Allah le veut, tu vas me tuer. S'il ne le veut pas, tu ne vas pas me tuer. Ça semble être positif. Mais ça porte des germes du pessimisme. Tu as un examen à préparer. Tu ne le prépares pas bien et tu échoues. Et à la fin, tu dis Inch'Allah. Tu es menteur. Tu as échoué parce que tu n'as pas bien préparé l'examen. Tu dis que non, Dieu l'a voulu. Tu es menteur. Tu as échoué parce que tu n'as pas bien préparé ça. Dans le christianisme, nous acceptons la prédestination parce que c'est écrit dans la Bible. Mais la prédestination n'annule pas la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme fait partie d'un autre principe des dieux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour aller en enfer? Faux. Non. 1 Timothée 2, 3, 4. Dieu veut. Nzambe alingi. Que Kasi, bo, tous les hommes soient babika sauvés. Babika. Car Dieu a tant aimé les un morts. Certain nombre de gens. Répondez-moi. Donc je reviens avec un enseignement là-dessus. La responsabilité de l'homme, ce n'est pas ça qui détermine la prédestination, non. Ce sont deux principes différents. Dieu veut que tu sois sauvé. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Non, parce que nous avons canné la bâtiment, Antoine Mokoboué, Maurice, à côté de l'Olaté. Il y a un philosophe français qui a dit, si Dieu, j'ai aimé ça, j'ai appris ça à l'école, si Dieu l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin pour tenter Adam et Ève, Dieu serait donc un mauvais génie. J'ai appris ça à l'école. So kinzambe ataki nzete wana na kata bilanga po moto akoya seke nzambe za muto maele mabe. Dieu serait un mauvais génie. Azam to maele mabe. Oh, Dieu c'est un Dieu d'amour. Donc nzambe za nzambe bolingo. Il a créé par amour. Asa na bolingo. Il sauve par amour. Obix na bolingo. Mais le salut n'est pas forcé. Lobi ko tindika mité. Le salut n'est pas forcé. Lobi ko tindika mité. Pourquoi nous devons prier pour qu'il y ait plus de gagnants d'âme? Parce qu'il y a un principe établi que pour être sauvé, il faut écouter le message de l'évangile. Et si tu écoutes ce message, tu l'acceptes, tu es sauvé. Dans la Bible, le roi comme Manassé, le roi comme Akab, un roi et deux rois, je n'ai pas le texte en tête. Un roi, là, tous des rois. Ils sont présentés comme des rois pires en Israël. Allez lire leurs histoires. Les deux se sont répandus en un certain moment de leur vie. Lisez leur histoire. Le nombre de choses qu'ils ont eu à commettre. Mais Dieu leur a pardonné. Dieu a eu pitié d'eux. Dieu aime tout le monde. Il veut que le pécheur se répande pour qu'il soit sauvé. Même Judas. Ata Judas. Écoutez-moi. Yoka. Même Judas. Ata Judas. N'a pas été créé pour aller en enfer. Ah, quel ami qui t'a pas qui n'a l'effet. Oui. Je reviendrai avec le débat. On va débattre ici. Na osong la ngona masolo trobeta. Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Ata Judas, quel ami qui t'a pas l'effet. La Bible dit. Bilobi. L'Éternel a tout fait pour un but. Yawa cela qui n'a pas le but. Même le méchant pour le jour du malheur. Lorsque le méchant aurait joué son rôle pour le jour du malheur, il a droit à la repentance. Ok. Tant que moto akanda akoki si, o ezala ki bongo moti donaye. Il n'y a que
Satan et les démons qui n'ont pas droit à la miséricorde de Dieu. Et Zakakana Satan a pe ba demona nde bango ba kugite koyambola. Mes enfants me posent question, je vois là Chloé tout la question. Daddy, Dieu aime Satan non? Nzamba nga Satan. Je sais pas si j'étais en train de faire quoi. D'habitude, j'ai la facilité de dire oui. Oui. Mais je vois là Dieu aime Satan dans télé. Non. Dieu n'aime pas Satan. Zoé était en train de jouer, il certainement que c'est lui qui avait prêché ça quelque part. Il dit, Dieu n'aime pas Satan. Non, Dieu n'aime pas Satan. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, il a pris la forme humaine et non angélique. Et il n'est pas mort pour les anges, il est mort pour les hommes. Nous avons dit que Satan a été en train de faire la forme de Jésus, mais il a mort pour les anges et il a coupé le bateau pour les anges. On y reviendra. Acclame le Seigneur. Chaque jour, il y a culte matinal.